Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que ça va. On est parti pour le deuxième jour de campagne avec notre bande, les... Je ne connais même pas leur nom. Comment je les ai appelés? J'aurais pas donné de nom en plus, hein. C'est fou ça. Hein. On s'en fout. C'est qu'un nom. Je sais plus où on le voit d'ailleurs le nom. Bon, tant pis. Le brave, les braves de l'Empire. Ça, c'est du nom. Donc, les braves de l'Empire. Qui vont partir dans une récupération. À la... Ah non, attends. Deux bandes dispersées. Course à la pierre magique. On va faire celle-ci. Seemingly alone in the ruins, you take the opportunity to send your warriors to pillage the nearby buildings. As your warband disperses and begins to explore, however, an enemy warband arrives. And deploys its Alors celle-ci est un peu plus pénible que l'autre parce que nos guerriers sont séparés. Et il faudrait pas qu'on tombe sur une bande plus rapide que nous. Ah bah j'ai l'air vachement séparé. Ah bah ça va, on tombe aussi contre des gars de chez nous. C'est de le déployer un petit peu en hauteur, lui. Ouais, parfait. Toi aussi, d'ailleurs. J'ai oublié que j'avais deux tireurs d'élite. Sachant que la grosse majorité de la bande ennemie joue avant nous. Hein. Donc il faut qu'on récupère au moins 6 pierres magiques, 55%. On voit qu'eux, ils ont déjà commencé à en ramasser. Ah non, il faut en ramasser 11. Ah ouais, d'accord, c'est pas le petit truc où il y en a 4 ou 5. Hein. Alors ça, c'est des grosses, donc ça, c'est cool. On va essayer de se mettre bien au milieu. On va reculer un petit peu. Ouais, on va tout prendre. Objectives updated. Donc là, il y en a déjà 3. Là-bas, il y en a l'air d'en avoir 5 ou 6. Objectives 5 à vue d'œil. Là, on a un corps à fouiller, donc on va peut-être ignorer le corps. Objectives updated. Ah, donc je souffre de lenteur. Il y en a 5. Est-ce que je reviens un petit peu en arrière? On va se mettre comme ça plutôt. Voilà. On est à peu près caché. On va être un chouïa trop court pour aller récupérer la pierre magique là-bas. On va revenir en arrière, on va fouiller le corps. Parce que là, ça fait quand même pas mal de mouvements. Six couronnes, c'est déjà ça de prix. Et là, on va aller se caler contre le mur aussi.
Alors, il a été vu par quelqu'un, lui. Il a été vu où? Il a été vu là-bas. D'accord. Alors, on a entamé un mouvement par là. Donc, le plus simple, ça serait d'essayer de les faire bouger. Ok. On a été où, mon premier pas? Mon premier pas, là. Donc, un pas. On saute en contrebas, réussi. On peut pas sauter en contrebas là. J'aimerais bien aller dans la. Est-ce qu'il y a moyen d'aller là-bas? On va faire le tour, de toute façon, c'est pas grave. On va juste éviter de se prendre un piège. Il n'y a pas moyen de monter dans la maison. Chier. Donc, on récupère notre point quand même. Hop, voilà. On descend. On peut pas passer le chef, ok. Donc on remonte. On récupère notre point là. Et où mon point? Ah non, c'est normal, j'en ai trop. J'ai peur qu'il m'empêche de passer avec mon chef. Allez hop, on va essayer. Posture d'alerte. C'est chiant parce que je suis obligé de replacer tous mes mecs là. On saute de haut, hein. On perd 11 points de vie du coup. C'est pas grave. Alors, je ne le vois pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai. Ah, ok, d'accord. Oh, on va lui coller une balle. Ah, raté quoi. 79, je fais 80. Pas de chance. Ça va, il m'empêche pas de passer. Et on va être juste devant les pierres. Il doit y avoir un moyen de descendre ici. Ok, je n'ai pas dû descendre du bon côté. Fin du premier tour. Zéro dégâts de chaque côté. Salut de la pierre magique. Ça me dérange pas plus que ça. Lui n'en a pas. Attends. Lui en a de la pierre magique. Donc ça sert à rien que j'y aille sur lui. Il est où l'archer déjà? Ah ouais, putain. Combien de temps encore? Je sais plus comment on fait pour voir les debuffs. Non, c'est pas ça. Ah, peut-être. Ok. Je peux même pas le mettre en position intéressante, peut-être si je fais ça. Ok, posture d'embuscade comme ça, c'est très bien. On va dire que c'est suffisant. Objectives updated. Donc on a 4 pierres magiques ramassées. On prend les plus grosses. Objectives updated. L'inventaire est plein.
Et c'est très bien qu'il soit plein. Ah, cool. Touché. Hop. Un contre 4. Il va prendre tellement cher, le pauvre petit. Est-ce que je ne peux pas monter par contre? Par contre, est-ce que je peux monter par ailleurs? Non. On va se mettre en posture d'alerte, même si on aura du sol, c'est pas grave. Ok, il fuit. Touché. Il recharge. Elle peut monter, elle, ou pas? Non, c'est pas bloqué. Ok, alors on va se décaler. 79%. Un joli tir à 35. Allez, Gunther, tu ramasses les 3 pierres magiques récentes. Objectives updated. Objectives updated. Faut du bois pour que ça soit pas une réduction de mouvement. Ah putain. 2 tours avec pénalité comme ça. Objectives updated. Mal chargé. Raté. Super. Sur la deuxième frappe, on touche. On va se mettre en parade. A new round has started. Alors, il y a un mec là-bas. On l'a vu comment il est rapide. Il doit pas être... En fait, ils ont envoyé un mec tout seul devant. Et le reste, il se balade. Donc on a vu leur leur héros passer. Ah, je vais revenir là parce que ça peut arriver sur un perso. Ah, j'ai plus de pénalité de mouvement. Bon bah c'est cool, on va y aller. Ah, ça c'est fait. Rien d'intéressant. On va avancer doucement. On va essayer de voir si je les repère. Il est peut-être monté à l'étage. Bon. C'est pas grave. Il faudrait qu'on aille à droite en fait, ici. Ou qu'on défonce les mecs. Je vais pas prendre de risque. Je vais faire un truc. Parce que je le sens bien venir d'en haut en fait. Je sais pas pourquoi. Moi je dis. Qui va venir d'en haut.
Est-ce qu'il y a un moyen de monter par là? Et pas trop, hein. On va s'avancer un peu avec elle. Ah non, pas rien. Ok, c'est ça, il est en haut. Alors, qu'est-ce que j'ai? Couverture 1,5. Voilà. Déjà, on va enlever la couverture. Touché. C'est une bonne chose. Là, on va s'avancer comme ça. A new round has started. Ah, il s'en fout complètement, lui. Ah, il va descendre. Si, si, il va quand même descendre, Helmut. Mais de quel côté est-il descendu? C'est bizarre. Ah, ils arrivent dans mon dos. Ça arrive dans le dos. Ah, je m'agace à faire des vibes sur vous là. Par là, y a rien. Où mon archer? Attends. Où je l'ai vu? Il est là en bas, ok. L'autre il est là-bas en train de ramasser la pierre magique. Lui il est par là. Ok, donc en fait ça sert à rien que je monte. Ça sert à rien que je monte. Bon, rends-moi mes points de marche là. Et je commence à m'énerver. Ah. Attends, j'ai pas fait d'action pourtant depuis tout à l'heure. En vrai, on va faire comme ça. Hop. C'est pas grave. Je me fatigue tout seul. Il devrait arriver par là, c'est ça, hein. Attends. Mon chariot. La nana est là. Ça, c'est mon chariot. Donc, lui, il est là. Ok. C'est ça. Ah, c'est un archer, putain. Loupé. Donc, ils sont deux derrière. Eh ben, dis donc. J'ai un angle de visée des plus magnifiques. Ici c'est pire. Est-ce que je peux peut-être l'avoir? Non. On va
va compter sur l'ami la chance. Oh super, coup critique. On va recharger. Non, oh, putain, j'aurais dû me mettre en alerte. Je suis con d'avoir fait ça. Pardon, je dis gros, je m'énerve quand je joue. Le chef y revient. Le classique posture. En vrai, j'aurais aimé. Je pourrais pas empêcher de charger. A new round has started. Ah putain, j'ai pas compris pourquoi il avait fait ça, tiens. Ah, raté, chier. Ça va. C'est que son cousin. Gunther von Drake. Ah. D'accord, lance et bouclier. Si je le charge, ouais, on va le charger. 28, c'est pas mal. Fin de tour. Là, il se relève. Il réussit son test de. Mais il ne peut pas jouer. Ça rate l'esquive. C'était une bonne chose. Non, je pourrais pas le finir en un tour. Je peux descendre, j'essaie de blesser lui un peu. Ah, touché, ça c'est bien ça. Dominicus. On peut changer d'arme. Et se dire qu'on va aller au corps à corps après. Touché. Touché deux fois. Posture de parade. A new round has started. On peut l'attaquer par là, c'est très bien. On sent le finir. Ah chier, c'est pas ce que je voulais, mais bon, tant pis. Posture d'esquive, 40% de chance. Oh, l'autre il est parti, je ne sais pas où. D'accord, il est dans la maison en face. Ah, ça c'est bien, une parade. Ça me donne droit à une contre-attaque. Ah, touché avec sa lance. Est-ce qu'on peut récupérer le corps? On peut pas récupérer. Chier.
Bah, du coup, on va le prendre à revers. Hein. Et là, il y a peut-être moyen de se glisser ici. Non, il n'y a pas moyen. Il faut que je fasse le grand tour. Bon, je pense qu'il va sauter de toute façon. On peut pas faire le tour du cercueil. Du cercueil du... Ah! Ça, c'est un bonus. Bizarre, je pense que j'aurais pu le mettre en embuscade pour permettre au. J'ai dû. Ah! Bon, c'est pas ça que je voulais faire, mais ça a réussi. Tant pis. Enfin, tant pis, tant mieux. Je pense que j'ai un 75% sur l'autre à droite. À gauche, pardon. Et réussit son esquive. Alors ça c'est une bonne chose. Donc, le chef est hors de combat. Voilà. Je crois que je suis full, non? Je suis full. Objectives updated. Ça m'emmerde un peu parce que là je les ai fait tomber à 600 morale. Touché, pas mal. Posté en posture de parade. A new round has started. Ah, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas à moi de jouer. C'est à pas lui, plus à moi. On va faire un repli. Voilà. Objectives updated. En fait. Objective completed. Tant que eux ils ont pas joué, ils ne font pas de test de morale. Donc je peux revenir là. Voilà, le taper. Et là on est bien. Et là normalement c'est fini parce qu'on a quelques morts. On a fait tomber leur modèle à leur morale à zéro. Donc c'est cool. Voilà une belle victoire. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente. On a récupéré 3 points d'XP en plus. Et on a des récompenses supplémentaires. Une armure lourde, de l'ombre écarlate et champignons bonnet de chou. Qu'on va vendre. Vanquishing the foe upon the field of battle is a great feeling. It is even better when you're getting paid for it. Donc on va avoir un bonus XP. Donc bah vous voyez, max XP. 3 points pour l'objectif optionnel, une victoire décisive, du coup, combattant vedette et une meilleure de combat. Donc là on a pris quasiment. On a pris 3 points de progression en caractéristiques et 2 points de compétences. Ce qui est passé niveau 1. Donc elle prend 3 points de caractéristiques. Elle n'aurait pas été combattant vedette alors que celle qu'elle fait plus de manches, je crois. Il va prendre 2 points de caractéristiques. Lui également. Nice progress. Voilà. Lui il en prend un peu plus. Il en prend 3. C'est bien. Your warband is getting stronger. Alors, j'ai le droit à un homme de vin supplémentaire.
à tout ce qu'on a gagné. Donc on va faire la gestion. On va payer les 22. On va faire le passage de niveau. Alors, la légitimité augmente l'esquive, la résistance des attaques au corps à corps. C'est bien, mais l'endurance, donc le nombre de points de vie. Il est actuellement 128 points de vie. La force, les dégâts au corps à corps, les chances de parade que tu ignores, les charges transportables, tous les 3 points. Donc je pourrais augmenter son endurance. Donc sa force. On va augmenter son endurance. Un commandement. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant il impacte sur le moral 10. Enfin, bon, vidéo précédente. Impact sur le moral 17 et moral 16. Donc là, on va augmenter le commandement. Et ici, on va augmenter bah, la capacité de combat. Évidemment. On va aller dans compétences. Confirmer. Donc là, on a gagné une compétence passive. Une compétence, donc soit active, soit passive. On va partir sur une passive. Alors, pour éviter qu'il soit trop lent, on peut augmenter le. Réduire la pénalité de. De l'armure lourde. Ou on peut. On utilise un bouclier. L'un de ces deux-là. Généralement, parade éclair, c'est pas mal. Ou sinon, on peut aller là. Quoique. Je crois qu'il y en a un qui augmente la parade, mais je sais plus où c'est. Tactique. Bon, on va augmenter l'armure hein, pour cette fois-ci. Donc il a deux tours pour apprendre. Alors. Elle a très peu de points de vie, 106. L'agilité, c'est contre les chances d'esquive. On va lui augmenter ses chances d'esquive au corps à corps parce que de toute façon elle ne fait pas de. La vigilance pour lui permettre de jouer plus vite. Là on a le choix entre la capacité de combat et la capacité de tir. Elle est plutôt dans le tir donc on va aller dans le tir. On confirme. Capacité de tir sans hésitation. Le commandement parce que. Impact sur le moral 9 et c'était 6. Voilà. Capacité de combat. Ah, j'ai oublié. Là, on va lui augmenter son agilité, là, combien? 25. Allez, on va augmenter ça. Il fera pas plus de dégâts, mais il sera plus agile. Alors lui, on va lui augmenter son endurance. Ici, on va lui augmenter son moral. Et sur le dernier point, on va lui augmenter sa force. Voilà. Ok. Et maintenant, on va sortir de là. Et on va recruter un. Est-ce qu'on recrute un archer? That is the question. Parce que j'ai deux choix. Soit je recrute un archer. Parce que le prochain c'est un sorcier normalement chez les humains. Prochain champion. Hein. On va recruter un autre archer. Hein. Ça fera 3 corps à corps, 3 au.
changer sa tête. Comme ça, c'est bien. On va lui mettre une moustache. Comme ça. Allez hop. On va lui changer aussi sa livrée. Un peu du vert. Ouais. Ouais, très bien. Allez hop. C'est bien. Donc Helga qui nous rejoint. On va aller au camp de guerre. Repère des contrebandiers. Donc là, on envoie 30 kilos. C'est combien il demande? 75. Là on est à 70 déjà. Et là on peut envoyer la livraison. On recevra 187 d'or. On peut continuer à filer les. Paiement supplémentaire 85. Allez. 50. On confirme. Donc il y a deux charges. Je vais en transit. Et là on va passer. New hired swords are available. Toujours parce que on a le chef qui est pas là. Et voilà. A new challenge is in sight. Ah bah là il nous propose déjà le la mission de. L'histoire. Je fais très peu les missions d'histoire parce qu'elles sont pas forcément très intéressantes. On va regarder ce qu'on va vendre. On va vendre ça. On va vendre ça. Vêtements, on va vendre. Ambre écarlate, on va vendre aussi. L'arc, on va le garder. On va le vendre. L'épée à deux mains aussi. L'armure lourde, on la mettra à... On va la mettre à notre guerrier tank. À Martin. Martin. Parce que de toute façon, Martin il esquive pas, il part. Tout simplement. Et voilà. Bon bah on va s'arrêter là pour le jour 2 et je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à très bientôt. Bisous, n'oubliez pas de suivre la chaîne si la vidéo vous a plu et de mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt, salut, bye.